Je vais commencer par ce que j'ai appris sur le plan l'intelligence spectatrice. Insister sur le fait que Tresmontant, philosophe sur une rencontre initiale, et tente d'exprimer l'unique nécessaire, il revit l'expérience de Blondel qui confia un jour, par rapport à sa propre démarche, « Je me suis senti comme un sauvage chez les ultra-civilisés qui avaient pensé à tout, sauf à l'unique nécessaire. » C'est cette rencontre du Christ dans le cas très important, évoqué par Frédéric Poulet, dans l'expérience douloureuse de la guerre et sa rencontre surtout du Christ à travers l'Écriture. Assez rapidement, dans un deuxième temps, il se met à la recherche de ce qui constitue la nature intellectuelle dans sa grande thèse, la métaphysique du christianisme et la naissance de la philosophie chrétienne. Il va parler du geste métaphysique de la pensée des prophètes hébreux. Il va voir dans cette pensée hébraïque, c'est le titre d'un ouvrage célèbre publié par le bouquin des éditions du Cerf aux années 50, il va voir dans cette pensée hébraïque une métaphysique biblique. Et il va utiliser de façon latérale, si vous voulez, l'expression métaphysique à une époque où, à l'intérieur même du néotomisme qui régnait, on la réservait aux formes d'investigation religieuse. Et va défendre que cette métaphysique biblique se continue dans l'exigence d'une philosophie chrétienne. Ensuite, il va se servir de cette intuition qui est obtenue par analogie, une analogie qui à l'époque n'a pas convaincu tous les recenseurs, et il va s'en servir ensuite comme de principe de classification des philosophies. Et ça, ben, c'est le point sur lequel j'ai insisté de manière assez dialectique et technique dans la journée d'études du 28 avril, et on m'a dit que des fois c'était difficile à suivre, donc j'ai revisité mon exposé, mais ça reste quand même ma préoccupation principale. Et donc, qu'on suive bien, on commence par dire cette pensée vaut bien les autres, cette pensée des hébraïques. Elle a sa cohérence interne, qui est implicite, qui n'est pas inconsciente, puisqu'elle remonte à la surface lorsque des normatives hétérogènes prétendent que n'importe quelle cosmologie ou anthropologie peut s'arriver à la pensée du peuple de l'Alliance. À ce moment-là, le peuple de l'Alliance dit oh là, non, ce n'est pas ce que nous pensons, il rejette cette ingérence externe. Et si on admet cela, la même pensée hébraïque qui est tentée dans la métaphysique par analogie devient la seule vraie métaphysique. J'avoue que moi, avec le temps, Tresmontant m'a suivi, continue à me suivre, c'était une des premières inspirations qui m'a lancé en théologie. Mais ensuite, j'ai fait de la philosophie des sciences de façon très technique et je me suis posé la question du contenu de cette métaphysique des Hébreux et comment on y entrait par rapport à l'élaboration philosophique qui pourrait porter sur la pensée humaine considérant le cosmos, considérant l'expérience purement naturelle. Alors, je vous ai mis dans le plan, j'espère qu'il a été distribué, je m'excuse d'avoir envoyé tard, mais j'ai mis deux chez moi, c'est un truc que je fais référence à mon volume de 1998, en page 24, où il me semblait qu'il y avait comme deux démarches. Il y avait un schéma que j'ai appelé comme ça intuitif praxéologique, une terminologie que Tresmontant n'a peut-être pas apprécié, mais bon, une espèce de regard phénoménologique sur le mystère et l'idée que là, une démarche plus auscultatrice, justement, plus existentielle, qui part de. Qui est déjà, en certaine façon, dans l'essai sur la pensée hébraïque, mais qu'on trouve dans les études de métaphysique biblique, ensuite dans le problème de la révélation, et qu'on trouve dans l'enseignement des choix de Nazareth. Bon, j'ai employé pour aller vite les abréviations qui sont dans mon ouvrage. Et ce sont vraiment les premières lettres des mots des titres. Normalement, quiconque peut pratiquer l'œuvre va s'y retrouver. Et de l'autre côté, il y a ce schéma analytique, celui d'un rationalisme intégral, c'est-à-dire un schéma qui prétend avoir les pieds au même endroit que tous ceux qui philosopheront, qui sont contemporains de la démarche de Tresmontant, où il ne demandera pas à qui que ce soit d'avoir fait, on pourrait dire, le saut de la foi. Et donc, dans les problèmes de l'athéisme, un ouvrage qui, je crois, mériterait une traduction anglaise, puis le débat récent autour du New Atheism, en particulier ici aux États-Unis, mais dans les problèmes de l'athéisme, ensuite un problème du christianisme, où là,
on change l'orientation du projecteur et on le met sur les christianistes, qui est un des livres préférés, et ensuite la crise moderniste. Là, on regarde l'expérience et justement pose cette question, comme une fois bien introduite par Frédéric Boulay. L'univers peut-il se suffire à lui-même, à quelle étape que ce soit? Je vous ai mis dans donc, le plan, le prospectus, un texte qui est tiré des Épilogues, notamment se pose aujourd'hui le problème de l'existence de Dieu, où tout ce que je veux faire, moi, aujourd'hui, est contenu, en tout cas, le premier volet de ce que je veux faire avec vous. C'est-à-dire que lorsque vous lisez le texte, et je ne vais pas le faire, donc, vu le temps qu'on m'a confié, mais on nous parle d'un phénomène, une mutation dans l'histoire humaine, apparaît Israël, et on doit se précipiter, étudier ce fait. Mais si on continue à lire, et moi j'ai mis les trois petits points pour respecter là où j'excisais le texte, bon, si on lit le truc, on s'aperçoit à la fin que ouais, mais ça va être donné à l'intelligence qui aura plié pour demander la lumière pour comprendre. Et on se demande, mais tiens, est-ce que Tresmontant ici fait une démarche où le philosophe des sciences, où le philosophe qui n'a pas eu la chance de rencontrer le Christ, pourrait l'expliquer. Alors, je veux simplement vous faire voir l'énormité de ce qui est demandé à la démarche philosophique. Et c'est ça moi, qui m'intéresse, parce que je veux situer, évidemment, on se parle ici entre nous dans le cadre d'une chaire science et religion, et je ne veux pas m'écarter de la question de la science. Mais bon, j'ai pas voulu faire autre double emploi avec d'autres exposés. Mais comment pourrait-on en passer de cette démarche qui met la science quand même au centre du propos? Moi, c'est ça qui m'a fasciné. J'ai l'air spontané et certains autres qui sont dans la salle, c'est pareil. Comment mettons la science au centre du propos pour aboutir à une théorie de la transformation de l'homme, de la métamorphose, de la nouvelle naissance? Et ce que, selon Emmanuel Cavalieri, vient de parler de manière remarquable. Donc, le deuxième point, la signification ultime et le statut de la philosophie chrétienne. Mais je pense que ça passe, moi, tout ça, la question que je viens d'ouvrir, là, ça passe par une théorie du rapport de toute l'humanité au Logos, au Verbe, au Christ, qui est modelé, et ça j'ai développé ça en fond et en nombre dans la journée d'études du 28 avril, qui est modelé sur une sorte d'épistémologie chalcédonienne, athanasienne, de l'union hypostatique, pour ceux parmi vous qui seraient formés en théologie. À l'époque, le problème du christianisme, de la crise moderniste, c'est des bouquins qui se suivent dans le temps de très près, on trouve cette idée exprimée une décennie auparavant, d'une philosophie qui représenterait la part humaine dans le drame du salut. Et cette part humaine, elle se présente au Verbe assumant. Elle est donc assumée. Part assumée peut et doit revendiquer la caractérisation de philosophie chrétienne. Donc, le débat sur existe-t-il une philosophie chrétienne, associée française de philosophie, dans les années 20, 30, et ça se parlait dans les années 20, si ma mémoire est bonne, le débat a eu lieu au milieu des années 30, mais ce n'est pas l'année précise ici qui nous intéresse, nous ne sommes pas des historiens, mais il y a eu ce débat, et Maritain, Gilson, Hunstrick, Londres, des gens comme ça se sont exprimés. Tresmontant le revisite, il était trop jeune pour y avoir participé, il le revisite et trouve solution au problème à travers cette idée que, bien sûr, on ne parlera pas de mathématiques chrétiennes, on ne parlera pas de chimie chrétienne, même de biologie chrétienne. Dès qu'on compte les vivos, on s'aperçoit que, ouais, ben, y aura peut-être des nuances à introduire, mais ce n'est pas le lieu de développer ça. Et pourquoi parlerait-on de philosophie chrétienne? Tresmontant va dire, au terme, quand tout sera entré en Dieu, par exemple, Dieu sera tout en tous, quand nous aurons la vision béatifique, la philosophie chrétienne sera heureuse de se débarrasser de cette épithète et de dire quelle est la philosophie du Saint-Dieu. Mais si on peut, dans notre expérience, trouver ce qui est compatible avec le Verbe assumant, ce qui se laisse assumer par lui, ce qui représente donc l'intelligence humaine ayant trouvé dans le donné naturel,
ayant trouvé l'homme, la vérité, d'une façon très réaliste, conformation de l'intellect à ce qui est aux choses. Et si on peut ramener ça dans le verbe, eh bien, nous avons une philosophie chrétienne, puisque le christianisme refuse la transfiguration des hommes, refuse toutes ces thèses qui sont étudiées dans sa grande thèse de 1961. Assez curieusement, Tresmontant va rester davantage dans la ligne d'une notion externe et de ce qu'on appelle techniquement théologie les cycles de créativité de la relation. Il va rester dans la ligne du Concile du Vatican, des idées du cardinal de Champ, il va souvent citer les textes. Il va insister sur la perception par le sujet qui s'interroge de ce qu'il appelle le divine relationis factum, le fait divin de la relation. La question qui intéresse aussi le théologien, qui est celle de la crédentité et non pas de la crédibilité, c'est-à-dire l'intelligence qui a reçu le don de la foi et qui voit les choses d'une manière nouvelle, cette question-là, il ne l'abordera pas autrement qu'en disant qu'il il ne sera jamais demandé aux croyants de sauter dans l'absolu, à la manière de Kierkegaard, que le don que Dieu nous fait, c'est celui de l'intelligence de l'avenir, de la création, du sens d'une réelle en train de se faire, des choses qui peuvent laisser le théologien sur sa faim. Si vous voulez une théorie davantage élaborée de ce qu'on appellerait donc la crédentité, l'intelligence voyant dans la foi. Encore que très spontané, je vais, si j'ai le temps, en reparler, était très attaché à la théorie des yeux de la foi de Pierre Mousseau. En troisième point, certainement des esprits. Et puis c'est un point qui a été aussi souligné par Frédéric Coulet. Je le remercie parce qu'il mène chaque pente, c'est la deuxième fois qu'il me rend ce service, il mène chaque pente sur laquelle on peut ensuite réfléchir. Donc, c'est qu'il y a cette pensée commune, métaphysique, donc propre aux christianistes anciens, qui se continue dans la pensée médiévale. Le mot métaphysique est emprunté par analogie quand on parle de métaphysique grecque ou de métaphysique indienne, mais avec ceci de particulier, qu'il y a une unité tout à fait remarquable de cette pensée commune des pères, des écrivains sacrés. Ils vont parler de notre philosophie à nous, en effet, comme cela a été cité. Et c'est quelque chose, dira Tresmontant, dans les idées maîtresses de la métaphysique chrétienne, qui résume sa thèse, une réalité plus homogène, plus organique que la tradition de pensée d'une école philosophique quelconque ne pourrait l'être. Le corollaire de cette affirmation, c'est que si nous ne pensons pas avec ce corps humain, si nous ne sommes pas greffés, alors nous appartenons à d'autres systèmes métaphysiques qui ont leur logique interne. Et cette logique interne, forcément, n'a aucun problème dans certains cas à étudier l'expérience. Elle préfère se rêver pour un dire. Hein. Et Tresmontant emprunte l'idée à Sionas de la gnose comme une psychologie métamorphosée en cosmologie. Une idée extrêmement puissante qui a donné lieu à des recherches par la suite. C'est un des points sur lesquels Tresmontant était pionnier. Ou donc on désire en quelque sorte que quelque chose soit et on le considère ensuite comme intégré. Certains savent rapidement. Se lancerait dans la classification du platonisme dans cette catégorie-là. Moi, je refuserais absolument ça. Mais enfin, c'est des questions ouvertes à débat. Et donc, d'anciennes mythologies survivent dans les traditions qui s'opposent à l'unité du monothéisme. Tresmontant, face à cela, insiste sur le tout petit nombre de solutions métaphysiques proposées au problème de l'origine radicale de la finalité de l'homme dans l'univers. Et encore une fois, l'épilogue, j'ai mis un long texte de comment se pose aujourd'hui le problème d'existence de Dieu, que la création soit un acte libre, qu'elle soit un don, qu'elle soit pas une figuration, une émanation nécessaire de la divinité, c'est là le secret suprême communiqué au terme de la révélation par le christianisme. Je veux juste souligner ou ressouligner que la présence de deux perspectives. On passe du tout petit nombre, chaque mot compte ici, hein, les adverbes, les mots, tout petit nombre des réponses métaphysiques possibles à la communication de cette vérité
que tout est don, que tout est grâce, que tout est suspendu à l'amour, agapé, charité, la métaphysique de charité à laquelle je veux aboutir. Celle-ci, cette métaphysique de l'agapé, s'il vous plaît, elle est acceptée et reconnue, on marche à sa lumière, directement en langage de sa vie, comme on le dirait les goyim, les païens qui suivent Israël en Isaïe. Israël est sorte de norme qui conduit les nations vers l'œuvre du salut total de Jésus. Ou encore, on la refuse. Mais portez attention, il ne s'agit plus du tout petit nombre de réponses possibles, mais bien d'un mode de pensée qui met en œuvre le principe qui tient exclu à ce moment-là. Par mode de tout ou rien, on l'accepte ou on le refuse. Et il m'a toujours semblé, moi, pas toujours, mais davantage maintenant, plus qu'à l'époque où j'écris mon livre sur Tresmontant, qui est quand même un problème. Vous prenez les métaphysiques principales, les scènes de psychologie, n'est-ce pas? C'est présent dans un ouvrage sur les métaphysiques principales. Bon, c'est du pluriel, ça, on connaît tous le français, hein? Et lorsqu'on ouvre l'ouvrage, on se rend compte que le titre parle des métaphysiques, mais il en parle par différence. Il aurait fallu dire la seule métaphysique. Et vous avez un truc qui pense sur la métaphysique des Hébreux, mais toutes les autres, c'est pour attaquer et dévaluer des thèses qui sont considérées par Tresmontant comme des réminiscences mythologiques, mais presque tout y passe. Alors, je vais revenir là-dessus. Mais quand même, je veux souligner ce qui. C'est pas que je vais lui faire des objections fondamentales, mais je veux comprendre son raisonnement, essayer de le faire avec vous. Le point 3.1, la métaphysique de l'insuffisance, c'est l'idée de création comme nouveauté radicale. J'ai mis un texte sur la plante, hein, qui est tiré des études de, excusez-moi, de l'essai sur la pensée hébraïque. Et lorsqu'on regarde le texte, son caractère personnier saute aux yeux. Hein, le texte laisse penser que ce qui est valorisé, c'est l'imprévisible nouveauté. Et cette dernière suppose la réponse de la création. Et je veux souligner ce point-là. Mais non, non une création pensée à partir de l'intelligence conceptuelle de l'homme, comme dans le nominalisme. Encore une fois, allez voir la longue note qui est 3-4 pages avant la fin de l'épilogue, comment se pose aujourd'hui le problème d'existence de Dieu, une longue note de votre page sur l'influence néfaste du nominalisme. Bon, je veux juste souligner un point, cette réponse du créé, quand on parle du gestion perpétuel d'imprévisible volonté, c'est très personnel, mais la réponse du créé sera pour une part dans l'idée de personne, une improvisation géniale. Sauf que, ici, l'analogie, on peut se demander, est-ce qu'il se brise pas un peu, parce que dire que Dieu improvise l'univers, comme Jean-Sébastien Bach écrit ses cantates, ça ne répond pas encore à la question de savoir s'il existe un fond de spontanéité qui permettrait de penser que Dieu veuille recevoir quelque chose de sa création. Et ça, c'est une nouveauté que j'ai introduite aujourd'hui par rapport à mon exposé de la dernière fois. Ça m'est sauté aux yeux en relisant les textes. Si vous allez voir le texte du problème du christianisme, qui, pour moi, est un grand chef-d'œuvre. Frédéric me souligne la grande valeur de science univers et du problème métaphysique. Mais moi, je souligne la grande valeur du problème du christianisme qui a été écrit dans la paix d'Ajaccio en particulier. Mais donc, je m'amuse. Mais le texte de problème du christianisme que j'ai lu à la dernière section ne laisse aucun doute sur la nature de la réponse de Tresmontant. C'est que oui, Dieu veut une création qui l'étonne. À la manière un peu de pays, il y avait eu cette intuition. Il y a comme une théologie d'espérance qui est cachée là, qui n'a jamais été développée, mais qu'on voit comme ça poindre dans les remarques de problème du christianisme. J'en arrive au 3.2, le suprême secret communiqué par le christianisme. Et là, je veux lire une citation. Je ne vais pas toutes les lire, je l'ai dit au début parce qu'il faut faire avec le temps. Donc, les métaphysiques principales de celle de psychologie, une métaphysique de l'union, celle du judaïsme orthodoxe et du christianisme orthodoxe, est précisément le contraire d'une métaphysique de l'un. Une métaphysique de l'un
est une métaphysique selon laquelle seul l'homme existe en réalité. Tout le reste est illusion ou apparence. Notre existence individuelle, singulière, personnelle, est une illusion et une apparence. Une métaphysique de l'union, la métaphysique des hébreux, professe exactement le contraire. L'existence du monde physique, l'existence des êtres multiples, singuliers, concrets, individuels, personnels, n'est pas une illusion ni une apparence. Le terme de la création n'est pas du tout le retour à l'homme, puisque dans l'homme, nous n'avons jamais été. Est-ce que j'ai vu ça dans... Est-ce que je voulais distribuer? Je ne suis pas certain de quoi. C'est quoi qu'il en soit? Oui, il est là. C'est les pages 249-50 des métaphysiques principales. Point numéro 4. La théorie générale du réel, la destination de la science et l'ouverture du révélant. C'est le point qui m'intéresse, où il m'intéresse d'aboutir depuis le début. Bon, Tresmontant, me semble, moi, et j'ai souligné dans l'épilogue de comment se pose le problème qui sort de Dieu, il semble partir, commencer par la fin. Et c'est très beau, ça. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Mais ça peut être dur, autant. Pour, disons, l'athée ou l'agnostique sympathique qui considérerait, qui essaierait honnêtement de faire la démarche. Tresmontant, on le voit dans son article de 1980, « Qu'est-ce que l'homme ?» publié dans Séminarium, une revue romaine, il considère qu'il est possible que nous apprenions par les sciences de la nature ce qu'il en est de la constitution des lois, des modes et des principes d'opération de cette nature. Et c'est la conjonction là, qui est troublante pour moi, et que nous soyons initiés par une science s'ajoutant à celle que nous aurions découvert par notre propre effort au secret de la finalité de la création. Sod en hébreu, mysterion, mysterium en latin, qui vous donne au terme sacramentum, qui vous donne sacrement en français. C'est l'hiver sacramentel. Mais je pose cette question-ci, moi. Quelle est la nature de cette agression? De cette façon, c'est toute la science qui, d'une certaine manière, est comme obligée d'entrer dans le rang et de faire partie de la révélation. On voit dans Proverbe du christianisme un effort pour présenter sous certains modes la science, les sciences expérimentales. Les sciences humaines n'intéressaient pas tellement à ce moment-là, mais disons, les sciences expérimentales, comme la révélation continuée. Mais nous aurions encore besoin d'une révélation ultérieure. Donc nous aurions la révélation, le développement du dogme auquel participaient les sciences de nature, et nous aurions la finalité ultime qui viendrait s'ajouter à cela. Je souligne que l'idée de trouver une science contribuant à la compréhension de la révélation se trouve en contexte, par exemple, presbytérien chez Thomas Gorham, un des grands théologiens de la science contemporaine. Ou encore, du côté catholique, j'avais mentionné dans la journée d'études passée, chez Jean Forastier, dans un débat qu'il a eu avec René Gorham. Il y a des intuitions assez remarquables de la part de cet homme qui était un catholique très conservateur, Jean Forastier, qui était aussi un cerveau extraordinaire. Et ce qui est particulier ici, c'est de reconnaître de quelle manière, dans un cas comme celui-là, le passage du créé visible, qu'on peut étudier dans son passé, qu'on peut étudier par extrapolation dans son avenir, on peut faire des inférences probabilistes portant sur l'avenir, n'est-ce pas? Eh bien, cette capacité pour nous d'en savoir sur le passé à partir des lois qui opèrent encore, le principe de l'uniformisme, l'uniformité, l'uniformitarisme, je crois, enfin c'est le lien du vocabulaire technique, l'uniformitarisme, ou l'actualisme, qui est aussi un terme qu'on peut employer,
Eh bien, d'abord, le service transpondant va refuser à Dieu de connaître, par exemple, les futurs contingents. Donc, tout ça va se lier à une science qui est relevable. C'est encore plus les sciences expérimentales. Cette science, elle est relevable à une autre sagesse et d'intelligence. Elle ouvre au secret ultime de la création. Pour Tresmontant, c'est la connaissance du verus homo, vero, unitus est, vero. L'homme véritable, le Dieu véritable. Il revient souvent là-dessus. Mais il y a un passage ici, et la question c'est de savoir, est-ce que le passage opère une reconfiguration totale? Moi, cette question-là, elle m'a été jetée à la figure dans des conversations d'un point de vue avec des épistémologues, des scientifiques, des philosophes des sciences. Peut-on greffer comme ça une science continue, la démarche plus loin intuitive à partir de l'expérience des sciences expérimentales? Peut-on greffer une science qui serait la science, la finalité de la direction, de manière continuiste, comme si tout allait bien, sans aucun plaisir dans la demeure? Alors, c'est cette question-là. Et donc, il y a un texte que j'ai, m'assure, qui est dans le plan, celui-là aussi. Oui, la mystique chrétienne, l'avenir de l'homme, page 201. L'orthodoxie a toujours maintenu que l'intelligence humaine est capable, par nature, par construction, par création, d'atteindre la vérité métaphysique ontologique. Plus loin, Tresmontant, je saute à la fin des deux dernières phrases. En l'homme, l'intelligence et la liberté ne font pas bande à part. Il y a communication réciproque, causalité réciproque de l'intelligence et de la liberté. Ça, c'est un peu la même chose que ce qu'on avait dans l'épilogue de Comment se pose aujourd'hui, avec lequel j'ai commencé. Sauf qu'il y a une différence, c'est que ici, c'est pas prié pour obtenir de comprendre le don de l'intelligence, le don de la science. On vient de fêter la Pentecôte, dans les fameux dons du Saint-Esprit. C'est pas prié pour obtenir le don de science, c'est user de sa liberté. Et il semble que Tresmontant, ça, il aurait fallu qu'il articule mieux. Moi, je vois quelques remarques dans l'histoire univers et centre de la création, par exemple. Ce sont des conférences faites en particulier dans des centres scientifiques ou philosophiques, où il va dire parfois, on est libre d'étudier l'objet. Personne ne vous force à devenir docteur en physique, personne ne va vous forcer à vous pencher sur le fait réel et sur la différence qu'il introduit dans le devenir de l'humanité dans son ensemble. Il y a cette liberté, mais ça, il faudrait voir comment ça peut s'articuler. Et j'en arrive ici à un saut, j'espère qu'il ne sera pas trop fameux, j'en arrive à ce point qui est dernier ou l'avant-dernier, mais c'est que il y a quelque chose de génial chez Tresmontant, mais aussi qui est dérangeant peut-être pour l'épistémologue, c'est que d'une certaine manière, pour lui, lorsqu'on a discerné ce fait Israël, on est comme happé par lui, et si on est honnête, et si on ne réprime pas, refoule pas, il va parfois parler de ça à l'encontre de Freud, si on ne refoule pas les questions légitimes et valables qui naissent dans l'esprit humain, on va être conduit à suivre la ligne, pour ainsi dire, de ce fait Israël, de cette mutation, et on va être conduit non pas seulement tout abstraitement à reconnaître l'existence de Dieu, mais à recevoir ce secret suprême que Dieu veut nous communiquer, et jusqu'au plus haut, au plus haut exigence de la transformation mystique. Et ça, ben, Frédéric faisait ressortir le côté thomiste classique de Tresmontant, mais là-dessus, c'est moins thomiste. Il y a quand même quelque chose de nouveau. Et donc, je veux faire ressortir de quelle manière c'est la fameuse métaphysique de la charité. Dans leurs échanges publiés par Tresmontant, c'est des extraits, hein, de la correspondance blondelle, la Bertonnière, qui était la petite thèse de Tresmontant. Dans leurs échanges, il y a des moments vitriolés. Alors, ça avait commencé par une grande amitié. La Bertonnière tombait de sa chaise en lisant l'Action de 1893. Mais il reprochait à Blondel, pour le dire dans une capsule très rapidement, d'avoir, pour ainsi dire, biaisé, de s'être rendu trop docile par rapport à l'establishment qui gouvernait l'Église par des tactiques de pouvoir que la Bertonnière trouvait abominable, et d'avoir de s'être, on dirait « morph » en anglais, de s'être morphé, de s'être transformé en contre-mousse pour éviter les coups.
Et Blondel disait, non, il y a quelque chose qui n'est pas développé dans la première action et sur laquelle j'ai continué à me laisser transformer, dynamiser. Et la porte première considérait que la grâce a toujours été à l'œuvre. Il relativisait d'une certaine manière le concept de notre nature. On pourrait dire encore plus que Blondel. Blondel a pris en doigt l'expression transnaturelle mentionnée par M. Gabriel. Et on le voit en Philippe, tu m'entends? Philippe? Oui. Tu peux 5 minutes pour qu'on puisse discuter après? C'est bon. Ça devrait pouvoir se faire. Merci. Donc, la bataille va plus loin et considère que dès cette vie, l'invite qui nous est faite par le divin est d'entrer dans un ordre de grâce qui n'est pas sans rappeler, bon, sur cette idée de camaraderie, mais je n'aurai pas le temps de développer ça, un ordre de grâce qui se donne à nous comme grâce de manière si naturelle que toute intentionnalité qui était braquée sur des actes de volonté voulue, hein, c'est la grande dialectique de Blondel, volonté voulue, ce que je fais directement en voulant, et ce qui, à travers moi, maintient ma nature et lui donne une direction imprimée par, ultimement, la pensée de Dieu qui soutient et pense le réel, volonté voulante, non? Eh bien, que l'intentionnalité qui était braquée sur des actes de volonté voulue déboucherait directement dans la volonté voulante, sans qu'il y ait besoin d'une reconfiguration d'ensemble. Pour dire ça en langage moins savant, que Dieu se donnerait à moi d'une manière telle que j'y rencontre une sorte d'alter ego, qu'il y a une véritable possibilité d'un dialogue d'amour, ce à quoi Tresmontant tenait tellement, mais qui se situait dans la Trinité, il avait subi cette influence de Théodore Bastien, qu'il y ait comme déjà dans la vie présente, cette présence d'un Dieu d'amour, et que ça renouvelle complètement la métaphysique. C'était l'intuition fulgurante de la Bertonnière. Il n'a pas pu la développer parce qu'on lui a fait toutes les vexations possibles. On l'a empêché de s'exprimer. C'est une longue histoire dans laquelle j'ai pas le temps d'entrer. Blondel, lui, se situe davantage dans la ligne du Dieu toujours plus grand, maior discipulo tudo. Tout ce qu'on dira de Dieu, hein, sera toujours balbutiant et est infiniment plus. Et il insiste sur le passage de métamorphose qui va nous défaire complètement, sans que nous puissions nous représenter les péages nécessaires à l'entrée de la vision béatifique. Donc, le point que je veux faire ressortir, c'est celui-ci. Lorsqu'il envisage, Tresmontant, la preuve thomasienne de l'incorruptibilité de l'âme, comme substance capable de connaître son acte, dans les sublimités du corps, ça a été mentionné dans d'autres exposés, Tresmontant refuse qu'une démonstration de l'immortalité de l'âme conviendrait greffer sur ce raisonnement, parce qu'il affirme que l'immortalité, c'est quelque chose pour lequel on prie, c'est une espérance, c'est l'objet d'une promesse, c'est un don, c'est un état espéré. Et on ne peut pas faire entrer ça dans la majeure du syllogisme. Le syllogisme n'est plus à l'indicatif. Moi, c'est de fond. Il y a déjà un truc qui avait une observation géniale qui a été faite sur Point Carré à ce sujet-là, mais là, on rentre dans la logique et je n'ai pas le temps de développer ça. S'il nous est possible de dire que la philosophie chrétienne est la seule philosophie assimilable par la part suivante, qui est le logos lui-même comme archétype de l'union hypostatique, qui est choisi ici comme principe d'intelligibilité, et que par ailleurs, on puisse dire, au terme, quand tout sera terminé, au terme, quand nous serons rentrés dans Dieu, comme je l'ai déjà dit, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une philosophie chrétienne, bien que dans notre état pérégrinant, on se doit y en avoir une. Parce qu'il y a une philosophie qui est compatible avec le dogme. Et comme les hommes ne s'entendent pas sur ce qu'est le réel, sur ce qu'est la vérité, il y a une philosophie chrétienne qui est la seule qui soit appropriable par le christianisme. Cela laisse entendre que ce dont on parle, c'est une philosophie que nous ayons devant les yeux. Et cette philosophie-là, vous me le concéderez, non? Elle est en cheminement. Elle est une fille. Et si elle est en cheminement, elle ne peut pas se donner la forme finale de ce que sera ce recueillement à même la moisson de l'univers créé, hein,
de toute la substance de ce nourrissement de l'intelligence par le réel dans sa splendeur et son aspect théophanique. C'est magnifique tout ça, mais c'est pas fait encore. Si l'immortalité est dans le don, dans le raisonnement qui a rapport à l'âme et son incorruptibilité, le Tresmontant ne traite peut-être et n'y a pas de démonstration de son immortalité. C'est deux termes techniques différents. Si l'immortalité est un don, la philosophie, pensée par une espèce de saut en avant dans sa complétion et sa totale assimilation à la vérité vêtue comme vérité première, ben c'est quelque chose que nous n'avons qu'en espérance. Et donc, si mon analyse est juste, ce que je viens de remarquer concerne la philosophie chrétienne, rejaillit sur cette question de la métaphysique biblique. Et donc, je veux terminer parce que je écoute religieusement ce que me dit Bertrand Souchard. Je vais terminer là, sans trop vous torturer, mais je crois d'avoir mis là, dans mon plan, encore une fois, je regarde. Attendez un peu. Oui, j'ai mis donc le mémoire de Taylor. Vous l'avez vu. Dans la correspondance commentée par le père de Lubert. Eh bien, si vous lisez ça, vous vous rendez compte d'une chose, et c'est un point que j'ajoute par rapport à la présentation du 28 avril. Je disais là-bas, à ce moment-là, Tresmontant, vous savez, il se dit disciple de Blondel. Mais il me semble, moi, souvent, partir là où Blondel termine. Blondel insiste beaucoup à créer une apologétique du seuil qui se résout dans la pratique, qui se résout dans la postulation directe, singulière, concrète, de l'acte, du rite. On entre dans la foi en disant « c'est ». Là, c'est le dernier mot d'action. Mais c'est l'apologétique du seuil. Elle ne va pas se promener dans le parcours. Elle reste au seuil. Et je suis content sans commencer là où on elle termine très souvent. Et donc, moi, j'ai l'impression que ici, dans ce texte, c'est non seulement davantage à l'Albertonnière, comme je l'avais déjà souligné, qui ressemblerait très spontanément parce qu'il se sert de la seule métaphysique vraie pour les départager. Il n'y a pas beaucoup de patience avec des formes d'élaboration qui seraient moins réalistes, moins théorie de la vérité correspondance, mais davantage théorie de la vérité cohérence. Il aurait moins de patience par rapport à cela. Mais il ressemble aussi à Taylor. Et ça m'a frappé en revisitant, parce que c'était quand même au centre d'un article que j'ai fait sur le dialogue manqué, n'est-ce pas, entre Taylor et Blondel. Eh bien, c'est Taylor, vous voyez dans l'extrait que je vous ai mis, il y a cette conviction que Dieu ne vient pas nous déraciner, que les arts, déjà présents du don final, doivent entrer dans la synthèse totale. Et que, finalement, c'est comme une image douce d'un Dieu du connu, d'un Dieu de la rencontre amoureuse. Le père Tourette, dans la journée du 28 avril, a insisté beaucoup là-dessus. Plutôt que quelque chose qui va venir nous triturer, nous transformer, et d'une manière complètement irreprésentable, ce qui peut être, pour l'âme, davantage déstabilisant. Il me semble que Tresmontant tient à s'accrocher à la création présente. Je vais respecter ce qu'on m'a demandé, je vais arrêter ici. Le point 5, c'était juste pour mettre en relief de quelle manière, justement, on commence par ce qui semble la fin. Donc, voilà à peu près les pensées que je voulais partager avec vous. Je trouvais que c'était casse-cou d'essayer de faire ça dans 35 minutes, mais je vous remercie tout de même de la chance qui est très heureuse de partager avec vous cette passion sur l'œuvre de Tresmontant.